qui est-ce qu'on suit sur TikTok? Qui est-ce qu'on suit sur Facebook? Est-ce que c'est Ken Le Jean-Baptiste, Edzé Emile, Mitsouaï, tu vas suivre? Ou tu vas suivre Jimmy Danger? Hein? Donc, on moun cap. Non, véritablement. On moun justement. On moun qui veut faire succès. Qui veut venir leader. Qui veut faire impact. Qui est-ce qu'on suivre? Edzé ou soit Jimmy Danger? Ken Le ou soit Jimmy Danger? Donc, ça veut dire qui ça? Gon justement. Gon adage qui veut faire nous croire que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Si 5 monde ou fait ou bay terrain dans vous. Si 5 monde plus parler dans téléphone chaque jour. Si 5 monde qui plus amour yo. C'est mon cap invite dans border get ça va péter. C'est mon cap invite tout simplement dans piscine. C'est mon cap dans blague, dans bal, dans festival. Li pas invite dans des bagailles pour meubler connaissance. Li pas invite li on live. Li pas invite investir dans tête ou investir dans business. Ma connais. Résultat qu'on parle ba yo. C'est fiasco total. On n'a pas quoi. Mais c'est ça live dit et c'est ça réalité à montrer. Qui est soit suivre? Qui est-ce qui zamou? Qui est-ce qui va koto? Parce que environnement justement li compte. Et c'est ça qui fait nous croire que justement nous devons ménager tête nous comme territoire. Pour que c'est pas qui n'est pas monde qui a partir dans contact. Gen moun connaît que au jour le jour qu'a garder contact yo et puis qu'a balayer, vous avez le vrai mot, qu'a balayer contact yo chaque jour. Tel monde pas utile, tel monde son énergie négative. Il retire elle. Fan faire ça. Gile moun van retire on a contact nous. Gile moun nous paraît de garder statut yo. Gile moun nous pas de zanmi yo. Pendant nous rive la caillou nous garder téléphone là. Meti yo. Parce que c'est résultat à chercher. C'est résultat à chercher. Et pour jouer le résultat, faut gagner en atmosphère propice, faut gagner en environnement propice. Et l'amour de soi li fait comprendre que justement son bonne mère que li est pour nous. Wal maman c'est prend soin petite là. Et mais l'orgue l'amour pour tête justement ou prend soin tête. Ou meubler tête, ou meubler connaissance pour que vous capable aller de l'avant. Troisième forme ou dimension ou énergie que moi je voulais partager, c'est le patriotisme. Le patriotisme son forme l'amour que je voulais partager avec moi. Le patriotisme, regarde dans l'amour ça. Hein? Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Le patriotisme, c'est l'attachement viscéral, c'est l'attachement sentimental à la patrie. Son identité politique, lit son notion relative et affective. Le patriotisme, c'est l'amour ou exercé pour plaisir, ce sentiment d'appartenance. Je pense que des gens, j'ai un pays ça. Il est là. Il a manqué force pour éprouver l'amour ça. Mais son grande forme d'amour que nous devons exercer comme citoyens. Aussi simple que ça. Ou capable gagner l'amour pour tête, ou capable gagner l'amour pour communauté, pour monde qui ba koto. L'amour pour pays son bagage qui est important. L'amour pour pays. Ou n'a suivre Haïti qui est dans une situation gabataire. Tout jeune a viré de quitter ça. IHSC Bali, 80% ressources humaines, pays a vu à l'étranger. Et pays pas qu'à avancer sans monde, sans ressources humaines. Mais nous pas qu'à faire avance sans nous pas briser l'amour ça. Le patriotisme. Je crois que c'est dans la constitution même.
dans l'article 52.1. Il dit que son obligation dans l'ordre moral, social, politique, pour voter, pour former tête, pour remettre pays, pour porter assistance aux personnes en danger, pour défendre le pays en cas de guerre. Vous regardez les amis qui sont là. Si Haïti n'a guerre, est-ce qu'on défendre? Combien de monde qui prêt pour défendre Haïti là? Un seul monde, hein? Mesdames, voilà. Non, on défend Haïti. Le patriotisme, son forme d'amour qui est vraiment importante. Le patriotisme, c'est lui-même qui a fait que nous jouons Haïti que nous réveillons. Ou pas que doit Delma pour que dans l'espoir c'est Dubaï oui. Ou pas que doit Port de Paix dans l'espoir c'est États-Unis oui. Pour que je pas décider de vivre là vous. Côté bon Dieu, côté énergie positive la métro là. Nous sommes pas d'accord avec même, mais le débat sera ouvert. Oui, le patriotisme, nous devons éprouver. Il y a deux formes de patriotisme. Il y a patriotisme personnel, il y a patriotisme officiel. Patriotisme personnel, là, l'émotif et volontaire. C'est ou même comme citoyen qui est en gazo pour aimer pays ou et pour prouver que vous aimez pays ou. Point barre. Deuxième forme de patriotisme là, c'est patriotisme officiel. C'est comme si on a dit que émission commence là, mais avant émission commence, Mitsou dit et bon on campe. Ok, ouais, il va même dire campe. Nous parle entonné premier couplet dans des salines là, faut tout le monde campe. Son principe, ça c'est le patriotisme personnel. Mais démarche qui opte pour mettre hymne national. Côté emblème, côté lieu touristique, côté des bagages officiels, c'est le patriotisme officiel qu'on respecte tout court. Ou respecte-le. Même si ou même dans bouche ou cadre ou pas respecte-le. Mais si drapeau a monté là, ou a respecte-le. Parce que je me dis que l'amour ne se prouve pas, mais s'éprouve. Comment faites-vous pas aimer Haïti depuis drapeau, ou soit depuis match à jouer, Haïti calé, nous tout a posté. On n'est pas hypocrite. C'est là nous faisons, c'est là nous devons l'aimer plus. Et c'est là nous devons batailler pour changer. Ou pas arriver leader ou entrepreneur. Si vous avez un cœur qui est attaché là, c'est le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, il fait que nous appartenons à la zone que nous sortons. Zone côté nous sortons, pays nous sortons, nous aimons. Ou dit que vous faites Jean Abel, ou dit que vous sortez Grandance, ou dit que vous sortez Inche, ou dit que vous sortez Nord-Est, ou pas Jean Foyer-Depin. Bon, vraiment, je vous demande un service. Bon, bat bravo, on bat bravo pour les amis qui toujours vendent Foyer-Depin. On bat bravo pour lui. Non! Il y a des gens qui sortent Foyer-Depin, vous avez dit ça, non? Ah! Vous avez dit ça? C'est n'est pas de prince, je suis, quant à moi. Il va vendre voie de paix. Il va vendre côté au sorti. Donc, l'orgueil esprit d'appartenance, sentiment d'appartenance, il fait que nous, tête, nous avons obligation pour nous vendre côté au sorti. Ou pas besoin de vendre dit côté au sorti. Ou pas besoin de vendre qui est ou est. Parce que c'est pas parce qu'on sorti loin ou pas arriver loin. En plus, quoi, l'or sorti loin, depuis où prend acte qu'on sorti loin. Là, pour plus engouement, plus force, plus courage pour arriver là. Il faut que toujours qu'on compte sorti. Et le fait qu'on compte sorti, au jour le jour, on a l'énergie pour aller plus vite et plus loin. Nous parlons de l'amour comme énergie, comme dimension, comme force. Mais influence sur l'énergie qu'il y a. Surtout nous-mêmes comme jeunes brillants, comme jeunes leaders. Et là, nous avons influence, nous avons leadership.
Et leadership là, c'est processus côté que ou même comme monde ou gain en vision et par rapport avec vision qu'on gain ou fait appel avec yon équipe. Équipe ça quoi dans vision et ben nan ou non comme amis. Et puis ensemble n'a chercher réussite. Aussi simple que ça. Donc en leadership, c'est la vision qui est importante. Et bien John Maxwell qui parlait de leadership, qui partageait un credo. C'est le credo du leadership. Je crois en la vision. La vision est importante. Surtout ou même qui gagne l'amour pour être, qui gagne l'amour pour la communauté, qui t'a aimé vivre en leader, qui t'a aimé pour ça changer. D'où, qui vision qu'on gagne? Et vision en leader coulé en vertu de problème qui gagne. C'est comme nous avons dit que bon problème qui doit fatra Delma. Moi-même qui c'est mon Delma, moi découlé de problèmes ça pour me venir en solution. Son exemple. Et montons équipe pour qu'on capable de résoudre problème ça. Donc le leadership, il vient comprendre que la vision est importante. Et la vision, c'est la capacité de voir clair. La vision, c'est la capacité qui fait nous comprendre que côté des problèmes, c'est la solution chita. Quel que soit le monde qui explique un problème, de vous en visionnaire, de vous en leader, ou de ouais, qui solution capote à ça. Et je crois en l'intégrité. Comme leader, comme monde qui besoin d'influence, faut ou intègre. Parce que monde pas suivre monde comme ça. Intégrité à ce qu'ils allient. Son valeur morale. En philosophie, quand on parle de valeur, il y a les valeurs intellectuelles, les valeurs morales, les valeurs économiques. Et philosophie, valeur morale, qui c'est intégrité, il va comprendre que si ou c'est leader, si ou son monde qui besoin d'influence, on dit qu'un Jean-Baptiste buy 1 million de gouttes pour salsa. Donc comme leader, 1 million de gouttes, ça, c'est pas 900 000 ou mettre dans poche et puis 100 000 partager. Donc lorsque c'est leader ou de intègre, et intégrité comme valeur morale, à permettre à ce que monde suive vous. Monde plus quoi et croyance ça ou confiance ça à stimuler que justement les suivent. Et je crois en l'autre. L'autre est important. Lorsque c'est leader, ben monde qui beaucoup de l'importance. On leader son monde qui va chercher monde. On leader son monde qui va minimiser monde. Qui va dire fin compte, fin river. Donc l'on besoin de dégager influence. Faut qu'on éprouve l'amour pour monde. Faut qu'on remet monde. Faut qu'on pas mettre monde sur côté. Faut qu'on pas minimiser monde. Faut qu'on pas boycotter monde. Je crois à la planification. La planification, c'est le savoir quand dire quand. Donc, comme leader, comme personne influente, on doit toujours miser sur planification. On doit planifier tout ça qu'on peut faire. Faut qu'on ait un plan. Et plan en vertu de stratégie qu'on veut mettre sous pied pour réussir réussir. Et je crois en enthousiasme. Enthousiasme, c'est une méga force qui permet à ce que justement nous suivent avec vigueur. Rêve nous. Enthousiasme, qui j'aime pas expliquer, c'est comme si je m'avais dit que j'ai invité pour me venir à la conférence. Même m'enthousiasme. Son passion, il est là quand même. Non seulement m'baba en gros bill, ou m'baba et bill, mais passionné de m'aimer ça m'a fait m'pouvait m'aimer si m'kon écrit y pas besoin payer pour m'écrire chaque jour si m'kon chanter y pas besoin pour faire si wal pour m'chanter automatiquement c'est ça qui talent c'est ça m'aimer m'doit aimer ça m'a fait et fait ça m'aimer ça c'est l'enthousiasme. Enthousiasme, ça fait nous comprendre que nous-mêmes, comme leaders ou bien entrepreneurs, faut que nous toujours montrer que nous avons vitalité dans cette affaire. Ce n'est pas
quoi force au fait ça va faire. Sou kon chante, c'est pas battre pour chanter. C'est pas ménage pour la peau. Ou capable river dans son affaire. Ou capable impacter dans son affaire. Fais avec l'amour et c'est enthousiasme qui a bail ça. Je crois à la réussite. Ça a deux finalités tout leader, tout monde qui a dégagé influence. Réussite. Si ou traîner moun beaucoup tôt, soit influencer moun beaucoup tôt, soit faire moun suivre, c'est pour qui ça? Finalité à deux, succès. Finalité à deux, quête de la réussite.